Est-ce que c'est bien par là, là? Je suis pas sûr, hein. Est-ce que c'est par là ou pas? Non, 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 c'est pas par là. Je suis déjà en train de me paumer, je suis même pas encore parti, ça commence bien la rando. Je suis pas fichu de retrouver le chemin, eh ben. Il est bon le TTR, hein. Je crois que je suis pas au bon endroit. Ça y est, j'ai enfin trouvé le bon chemin. C'est bon, je crois qu'on est sur la bonne direction. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, dans un format un petit peu plus vlog. J'espère que ça vous plaira. Pour la faire courte, je devais aller à la plage ce week-end. Finalement, ça n'a pas pu se faire. J'ai décidé de prendre mon sac et je suis parti pour une petite balade de 24 heures, même pas. On est dimanche, il est 14 heures. Je suis déjà à la bourre, hein. Je suis parti assez tard. Je reviens demain au plus tard, en début d'après-midi, parce que je travaille. Et j'ai décidé d'aller faire un petit parcours que je connais un peu, même si je me suis un peu planté au départ, puisque c'est le kilomètre vertical qui part de Saint-Martin-de-la-Vésubie. Donc là, on a 1000 mètres de déplus à se taper. Surtout, je suis parti sans nourriture, juste avec quelques sachets d'infusion, parce que je voulais tester le jeûne en randonnée pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, j'avais envie vraiment de réaliser par moi-même quels étaient les bienfaits du jeûne en randonnée. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on creuse le sujet ensemble, si vous avez envie de jeûner, si vous avez déjà jeûné, si vous faites du jeûne intermittent, si vous avez déjà appliqué le jeûne avec la randonnée. Ce serait intéressant d'avoir vos retours également. Et puis surtout parce que j'étais en vacances dernièrement, je me suis un petit peu laissé aller, je vous confesse, sur la nourriture. Ce serait idéal en commençant par une petite rando jeûne. Juste petite parenthèse, donc j'y suis là, j'en profite. Cette vallée, ça fait plus d'un an que j'y suis pas allé, puisqu'il y a eu la catastrophe l'année dernière avec la Vésubie qui était en crue suite à des pluies torrentielles. La vallée porte les stigmates de cette catastrophe. Il y a des endroits où c'est juste impressionnant. Regardez ici, regardez derrière. J'imagine même pas ce que les habitants ont vécu ici. Ça devait être la fin du monde, quoi. L'apocalypse, c'est un truc de malade. Je commence à grimper, je vous retrouve un petit peu plus tard en hauteur. Allez, à tout à l'heure. Là, j'ai fait un peu plus de 800 mètres de dénivelé positif en 1h10, 1h15, donc je suis assez content de moi. Pour le fait de ne rien avoir mangé depuis hier soir, ça m'a pas empêché d'être en forme quand même. Là, j'arrive à un petit chalet que je connais, puisque j'ai déjà bivouaqué à côté d'ici il y a quelques années, plusieurs reprises. Et je vais me poser, je vais me faire une petite infusion et profiter du panorama et vous en faire profiter également. Presque 17h, j'ai pas mangé depuis hier soir et je me sens vraiment très bien. Bon, après, j'ai pas mal de réserves, hein. J'ai pas mal de poids à perdre. C'est aussi pour ça que j'avais envie de tester le jeûne en rando. Mais là, je suis agréablement surpris. J'avais peur d'avoir des coups de pompe, coups de fatigue, voire des nausées, etc. J'avais entendu parler les premiers jours, le temps que le corps s'habitue avec l'effort de la marche. Généralement, c'était pas agréable, surtout la première journée. On avait des maux de tête, des nausées, des vertiges, hein, des choses comme ça. Rien de tout ça. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par la thématique du jeûne en rando et j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais vraiment creuser cette thématique sur la chaîne. En attendant, je vous fais pas profiter du panorama qui s'offre à moi. Donc là, je suis à environ 1800 mètres d'altitude. Il me reste encore 150 mètres de déplus à faire avant d'arriver à la fin du kilomètre vertical qui part de Saint-Martin-de-la-Vésubie. J'ai perdu ma poche à eau dans la montée, ma poche à eau de 2 litres que je comptais utiliser pour faire le plein pour le bivouac. Je l'avais mis dans une des poches de côté du atelier longue distance où il y avait ma caméra et je l'ai perdu. Là, je m'arrête pour l'instant, je vais me faire une petite infusion. Là, dans les poches de la LD, j'avais pris également des batteries de rechange pour ma caméra. J'ai même pas vérifié si les batteries sont chargées. Est-ce que j'ai chargé les batteries? Est-ce que j'ai chargé les batteries d'appareil photo? Bien de préparer son sac à la dernière minute comme ça, de prendre ses affaires et même pas vérifier si les batteries sont chargées. C'est bien.
Bravo. Alors juste pour vous faire profiter de l'endroit où je me trouve actuellement, ce petit chalet que vous voyez derrière moi, j'avais discuté il y a quelques années lorsque j'étais monté avec le berger qui fait l'estive ici un petit peu plus haut, qui m'avait dit que ce chalet appartenait au directeur de l'héliport de Monaco, qui venait ici de temps en temps avec des amis, passer le week-end en hélicoptère, donc il atterrit ici. Pas très écolo, je vous l'accorde, c'est sûr. Une table digne d'Astérix et Obélix, voyez, où on peut faire la fête entre amis. Et puis surtout un panorama sur la vallée de la Vésubie qui est juste magnifique. Ici on est bien, on n'a qu'à écouter le vent dans les arbres, le chant des oiseaux. Il y a un petit point d'eau juste à 50 mètres plus bas. Enfin, si ça c'est pas le paradis sur terre, en tout cas je pense que ça y ressemble fortement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, je vous laisse. Je vais faire ma petite infusion, profiter de cet endroit, profiter du fait que je sois tout seul. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard lorsque je vais planter le bivouac. A plus tard. Je fais moins le malin, là, quand même. Hein. Un peu plus de 1000 mètres de D+, je commence à avoir des bonnes bouffées de chaleur. Il est temps que je m'arrête. Je crois que j'ai trouvé mon spot de bivouac. Attendez, je vous montre ça. Je vais essayer de ne pas se péter la tronche. Regardez. Hop. C'est pas beau, ça. Hein. C'est pas le spot de bivouac de rêve. Je peux plus, je vaux plus rien. Je suis au bout là. Les derniers, j'avais l'impression d'être à la Légion. Hein. Les derniers mètres, c'était éprouvant, c'était dur. Génial que j'ai testé aussi pour la première fois dans cette randonnée, c'est ce short de running Décathlon. Alors c'est un short qui a la particularité d'avoir un caleçon intégré et franchement mais c'est un bonheur de marcher avec ça, c'est super agréable. À part en hiver où je serais obligé de mettre un pantalon, honnêtement pour tout le reste de l'année maintenant ça va être short de running, surtout que là c'est là où le sac atelier longue distance prend tout son sens, d'avoir toutes les poches sur les bretelles du sac, ça permet justement de ne pas avoir besoin de poche au niveau du pantalon. Parce que moi, généralement, je mettais le smartphone d'un côté, j'avais des affaires de l'autre. J'aurais plus besoin d'avoir de poche sur la tenue portée sur moi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je suis très content de ce truc-là. Je suis très content de ce test-là. C'est aussi l'avantage des sorties courtes comme ça, des sorties sur une journée et demie, c'est qu'on peut se permettre de tester des trucs qu'on n'oserait pas prendre sur 3 jours, une semaine ou plus. Toutes les affaires que j'aurais habituellement dans mon short, je peux les mettre dans les bretelles du sac à dos et les avoir encore plus facilement accessibles en plus. Alors avec un sac de 20 litres comme ça, je pense que en 3 coups c'est torché. Hein. Ça sert à rien de souffler directement dans le sac, faut se mettre un petit peu à l'écart, ça évite déjà d'insuffler de l'air humide et puis c'est ce qu'on appelle l'effet Bernoulli, c'est-à-dire que on va envoyer beaucoup plus d'air en étant un petit peu éloigné, on va envoyer beaucoup plus d'air, ce sera beaucoup plus efficace dans le sac de compression. Oh, ça chauffe vite. Hein, si je m'étais mieux préparé, je n'aurais pas pris le réchaud à gaz, j'aurais pris le réchaud à alcool pour le coup.
salut tout le monde. Bon bah j'ai bien dormi, enfin j'ai bien dormi. J'ai quand même moins bien dormi avec ce matelas qu'avec le gros Citus Summit. Hein. Et sinon la nuit était super calme, il n'y a pas eu un poil de vent, pas de passage d'animaux. Voilà, il est 5h30. Profiter du lever du jour et je me sens bien. Donc cette première expérience de jeûne en randonnée est vraiment positive. Ça me donne envie vraiment de continuer. J'étais un petit peu à fond sur le D+, mais en même temps l'idée c'était aussi de perdre du poids. Puis je pense que je vous ferai certainement d'autres petites sorties comme ça dans l'été, test. J'ai le temps de savourer le lever du soleil et je vais redescendre à Saint-Martin tout à l'heure, hein, d'ici peut-être 2 heures. Ouh, c'est chaud. Bon, en attendant que l'infusion se refroidisse, je vais quand même vous faire profiter du panorama que j'ai en face de moi. Oh, ben ça c'est cool. Regardez ce que je viens de retrouver. En fait, je l'avais perdu. Je vous montre juste à la borne 800 de D+ du kilomètre vertical. Je l'avais perdu juste là. Je m'étais arrêté pour faire une photo. Et à mon avis, j'ai dû la faire tomber de la poche lorsque j'ai fait la photo. Donc ça c'est deux bonnes nouvelles en une, puisque j'aurai pas à racheter une poche à eau et je laisserai pas un objet dans la nature.
Bon ben voilà les amis, ça y est, je suis redescendu à Saint-Martin. Bilan de cette sortie test jeûne et randonnée, vraiment très positif. Je suis vraiment hyper content du résultat. Bon là j'avoue que les genoux ont quand même bien morflé dans la descente. Dans l'ensemble, je suis vraiment très content. Je me suis endormi, il était 20h30. Et je me suis réveillé ce matin un petit peu avant 5h, j'étais très bien. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sorties test avec le jeûne et la randonnée. J'avais l'intention de profiter de cette sortie pour vous faire la présentation de cette fameuse couette Gram Xpert. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'attendent depuis un bon moment, mais malheureusement, j'étais à court de batterie. Bon allez, sérieusement, la prochaine vidéo, je vous le promets, qui va sortir sur la chaîne, toutes catégories confondues, ce sera sur cette fameuse couette Elite de chez Gram Xpert. Voilà, je vous ai tout dit. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout, respectez-la. Ciao.